Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui donc, pour vous parler des amplis Mesa Boogie que j'utilise depuis très longtemps, je dirais presque 10 ans. Alors évidemment, c'est des amplis, ça, il m'est arrivé de faire quelques infidélités à Mesa Boogie, mais finalement, je suis toujours revenu parce que pour moi, c'est vraiment les meilleurs amplis. C'est-à-dire que j'ai appris à jouer et à faire mon son avec ces amplis. Aujourd'hui, même ça m'est très difficile de jouer sur autre chose. Donc c'est vraiment, je suis vraiment fan de cette marque en tout point quoi. Donc ce qui m'intéressait aujourd'hui, c'était de vous présenter bien sûr la config que j'utilise quasiment en permanence et de vous montrer que cette config en fait est extrêmement polyvalente. C'est-à-dire que souvent on a tendance à limiter le rectifieur au métal, mais en fait on peut vraiment tout faire avec ces amplis parce que ce sont des amplis qui ont la particularité de respecter beaucoup le jeu du guitariste et donc d'aller un petit peu là où le jeu du guitariste ira. C'est-à-dire que si on a un jeu plutôt funky, l'ampli va sonner funky. Si on a un jeu blues, ça va sonner blues. Si on a un jeu metal, ça va sonner metal. Mais ça respecte vraiment le jeu du guitariste. Donc la config que j'utilise, donc, c'est une tête donc single rectifier qui fait 50 watts, que j'aime beaucoup justement parce qu'elle ne fait que 50 watts. Et je peux vous dire que ça écrase tous les 100 watts d'autres marques. Et que justement on peut lui rentrer dedans, enfin je trouve vraiment elle sonne très bien je l'utilise la plupart du temps avec un 212, parfois avec un 412, mais en général avec le 212 parce que je trouve que ça fonctionne bien ensemble, sachant que ce 212 il a une dispersion sonore qui est extraordinaire, c'est-à-dire que des fois j'ai même l'impression qu'il fait plus de bruit que les 412, c'est assez étonnant, et en plus c'est très pratique à transporter. Quand on joue un peu loin, c'est quand même un sacré avantage, quoi. Donc voilà, je voulais partager ça avec vous. J'espère que vous serez convaincus parce que c'est vraiment des amplis que j'adore, quoi. Voilà.